On va voir. J'ai sorti Macron. Est-ce que ça voudrait dire que c'est le parti d'Obama qui va gagner, tu vois? C'est ça qui me fait flipper. Ben, j'ai sorti Macron. Donc, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je crois pas que Macron soit un conservateur, un républicain, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, il est mondialiste, Macron. Il va y avoir encore de la tromperie, encore, peut-être de la triche, il y a quelque chose qui est faux encore. Bon, allez, hop. Bon, alors là, pour moi, c'est le parti d'Obama, hein, parce que là, hélas, j'ai l'impression que le parti du côté de Trump, donc les conservateurs, les républicains, pour moi, ils ne gagnent pas la partie. Bon, et tant pis, voilà. Bon, ben, c'est bien ce que je dis, hein. Moi, je dis que ce sont les démocrates qui remportent l'histoire, d'accord? Apparemment, ce sont les démocrates, donc ce n'est pas le parti de Trump, hélas, hein, qui remporte l'histoire. Non, 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 mes amis, je suis désolée de vous le dire, mais d'après ce que je vois dans ces cartes-là, ce n'est pas le parti, ce ne sont pas les républicains qui remportent l'histoire, c'est bah oui, le parti des conservateurs se pète la tronche. Et donc, forcément, puisqu'ils se pètent la tronche, c'est le parti des démocrates qui remporte a priori cette élection de midterms aux États-Unis.